Yo tout le monde, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que l'admin du serveur a été très patient. Voilà, moi personnellement, j'aurais déjà pété un câble. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et à la commenter. Ça ferait extrêmement plaisir. Allez, ciao tout le monde. Yo tout le monde, c'est Fraken. Avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai de pas prendre la vidéo au sérieux. S'il y a eu quelques insultes durant cette vidéo, c'est normal. C'était pour me faire ban du serveur et ça a marché. Voilà, donc les gens, je vous demanderai de vraiment pas prendre cette vidéo au sérieux. Je vous demanderai juste de liker, commenter, partager. Pourquoi pas vous abonner si c'est pas déjà fait. Et me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. A plus tard, ciao tout le monde. On va pouvoir la voler, on sait pas. Donc c'est parti. Je sais ce que je vais faire. Je vais me jeter sur la route. Elle va m'écraser. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux monter dans votre véhicule s'il vous plaît? Non, j'ai pas le temps, désolé. Merci. Monsieur, monsieur. 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 Bah allez vous faire enculer monsieur. Ah c'est un admin, j'avais oublié. C'est un admin. C'est un admin. Attendez on voit ça. T'as très mal entendu mec. J'ai très bien entendu oui. Oui bah j'ai dit quoi? Tu m'as traité d'enculé. Non, non, c'est faux, j'ai pas dit ça. Non, ouais. L'insulte va te faire enculer ne veut pas dire que t'es un enculé, ça n'a rien à voir. C'est comme ouais, si je te dis genre va te faire jeter par un... Tu vois, va te faire ouais, écraser ouais. Quoi, c'est la même chose. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai pas dit que t'étais un enculé, c'est faux, j'ai pas dit que t'étais un enculé, ça c'est ouais, pas vrai. C'est ça. Non mais sérieux, c'est vrai hein. Enculé. On va s'excuser, on va essayer de le rougir, on va te faire enculer en s'excusant. Monsieur, je m'excuse pour tout à l'heure. Ah ciao ta bagnole. Putain, il arrive. Il arrive. Je suis dans la merde. Putain, enculé, il m'a attrapé. Merde. Oui. Pourquoi tu as arrêté le zombie? Parce que gros... vraiment silencieux tout d'un coup. Non, non. D'ailleurs en fait je voulais faire mes excuses, tu m'as pas écouté donc j'ai pris ta bagnole et je l'ai jeté contre un arbre. J'ai t'occupé. Ah bah merde alors. Non mais sérieux sans déconner, je voulais te le dire et tout, j'ai dit je m'excuse de t'avoir insulté et t'as pas entendu donc j'ai pris un coup de speed et j'ai pris ton véhicule et je l'ai jeté contre un arbre. Excuse-moi. Est-ce que tu me pardonnes déjà? Je me sentirais pas bien en fait si tu me pardonnes pas. Si t'as rien, c'est que ça veut dire quoi? Tout le monde a droit à une deuxième chance dans la vie, tu crois pas? Voilà, c'est pour ça que je te dis. Si t'as rien pour l'instant. Ouais, si j'ai rien. Ça veut dire quoi? Si j'ai rien, bah ce que j'ai rien en fait, ce que j'ai rien fait. Oh, allo, allo, allo les gars, wesh les gars, bien quoi? Déjà en mode RP, déjà en mode RP, tu peux pas dire allo car tu n'as pas de téléphone portable. Donc c'est rien, tu dis allo. Ok. Non mais. Oui? Bonjour. Mais moi je viens d'arriver. Moi je viens d'arriver, c'est mon premier. La première fois. Ça veut dire en fait tu veux tout niquer, c'est ça? Hein? Tu veux tout niquer sur le serveur, c'est ça? Si tu veux tout niquer, bah t'as bien trouvé le bon mec. Parce que moi je suis pour tout niquer. Pourquoi t'as arrêté de zombies parce que j'en ai marre aussi une grosse perte de temps et ça... Attends deux, c'est quoi mon pote, je vais mettre mon enceinte. On vole la voiture, on vole la voiture, les gens, on vole la caisse, on vole la caisse, on vole la caisse, les gens, on vole la caisse. On est des putains de gros thugs. On vole la caisse, les gens, on vole la caisse. Pète sa mère. Oh putain de sa mère, j'ai mille fois la caisse, on se barre, on se barre, on se barre. Oh putain. On est là, t'inquiète. Oh la tête de moi, je suis dans la merde, on va changer vite de pseudo RP, les gens, on va se faire niquer. Putain, je suis dans la merde, fallait pas voler le véhicule là. Ah ces gens là, ils vont me tuer putain.
Maserati, aïe, ouais, c'était une Maserati. En plus, je cherchais le mot, mais c'était une Maserati, j'ai oublié. Oh putain, il est là l'enculé. Bref, j'ai rien fait, on fait comme si on avait rien vu. La 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 la. Monsieur. Ah, t'es sérieux toi? J'ai fait quoi toi? J'ai pas cramé ta voiture, t'as un problème ou quoi? Y'a des gens partout. Oh, je sais pas mec. Oh, j'ai pas cramé ta voiture. J'ai vu juste un mec qui vient de la cramer, mais sinon c'est pas mon. Et si tu me crois pas, bah crois-moi pas. Oui, je me rappelle, j'ai vu ta tête. Mais mec, qu'est-ce que tu vois ma tête? Déjà, t'as de la merde dans les yeux, tu parles avec moi, tu sais même pas comment je m'appelle. Donc ferme-la un peu. Moi je vais mettre Eh ma poucave cette petite pute. Viens petit du Kim. Ils sont tes potes. Vas-y non mais viens. Ouais c'est moi qui a cramé. C'est moi qui a cramé la Maserati Yako. Vous allez faire quoi bande de petites pédales ben. Ouais c'est moi mon pote, je te l'ai cramé ta voiture contre un mur. Monsieur l'agent. Ah mais ouais c'est pas un agent le sale pelot de la mafia. On s'en bat les couilles maintenant, tu vas crever. Toi nique ton père mec. Mais cherche pas, je vais pas te la rendre ta voiture hein. Je l'ai cramé mon pote. Bah, ta mère la puce. Free kill et y'a ta mère dans mon lit, sous la couette. Ouais. Et j'ai pas dit que t'étais un enculé tu vois. J'ai pas dit que t'étais un enculé. Espèce de trou de balle, si jamais je te tue, tu vas même pas savoir qui c'est qui t'a tué. Oh, oh là là l'insulte du siècle. Il est parti cette fiotte. Monsieur le policier. Monsieur. Monsieur. Ah excusez-moi. Monsieur. Ouais, c'est pas bien de gaspiller les balles monsieur. Ok monsieur. Ok. Monsieur. Ouais oui quoi. Ah rien. Attention. Ah mais. Qu'est-ce que vous êtes là-dessus? C'est trop du cul ce flic quand même. C'est le monsieur Maxime. Ouais chef, s'il te plaît. Wesh toxique, Karim, on peut dire toi. Vas-y gros, oh pro tu dis mon blague, t'as cru que j'étais ton père ou quoi? T'as pas trouvé ma carte d'identité par terre, donc arrête de m'appeler Karim s'il te plaît, au revoir. En plus t'es trop moche, t'es trop moche mec. J'ai papier. Ok crâne d'œuf. Karim un peu de courtoisie. Ok le chauve, ok crâne d'œuf. Oh gros tu ressembles à un Kinder Chocobon, t'es chauve comme le gâteau. Le Kinder, t'es chauve pareil. Même pas les chauves en plus. Je go toi fils de pute, vas-y tue moi la conde de ta mère va. Allez tue petite pédale va. Y'a pas vulgarité gros. Il me tire dessus son père là. Jeune homme calmez-vous. Heureux bande de nouilles. Non je pense que c'était sa mère. J'ai juste dit sa mère était compétente dans le sexe. J'ai rien dit d'autre. Faites quoi là? D'accord. Et tu peux le surveiller lui aussi là, me tirer dessus pour rien, j'ai rien fait du tout. Tu me dis sur mon langage mais lui aussi tu dois le surveiller mec. Déjà toi je suis pas ton fils, tu m'appelles pas jeune homme, mais c'est des trous du cul. Oui monsieur, d'accord, pas de problème. Va faire tes mains. Ok, et toi? Laisse-toi pousser les cheveux sur la tête un peu, parler avec les autres. Celle du crâne d'œuf. Mec, t'as la calvitie, tu parles avec moi, s'il te plaît, de parler, au revoir. Ah, c'est pas bien. Non, mais sans déconner, tu ressens pas ma bite quand je les rase, sérieux. Non, sans déconner, gros. T'as comment il est vulgaire, le chauve. Il est vulgaire, le chauve. Putain, il a manqué de respect à tout le monde. Ok, je me suis fait ban. Je suis trop content, je me suis fait ban.